restent les murs porteurs des amis en béton. Oh, live, c'est trop bien de ressentir l'énergie des gens sur scène, et souvent on est meilleur en live qu'en studio où on galère à faire des trucs. Mais je la chante pas dans le spectacle, mais j'avais aimé, elle me tient très à cœur. Ça dépend de l'état de la soirée. Si c'est une soirée avec ta famille et tout, tu passeras un moment, si c'est avec des potes, je suis en mode genre un peu contre. Désolé, j'apprécie énormément les chansons de Michel Sardou, mais Florent Pagny, ça reste Florent Pagny. Un titre de Florent Pagny que j'adore vraiment, c'est Les Murs Porteurs, que j'ai eu la chance de chanter avec lui sur scène. Reste les murs porteurs, des amis en béton. Je prends beaucoup de plaisir à jouer sur scène maintenant, mais j'ai beaucoup moins le trac de chanter, parce que c'est le truc que je sais le plus faire. Je veux dire jouer, parce qu'il faut se forcer à faire des trucs qui font un peu peur pour réussir à mieux les faire après. Avoir 24 ans aujourd'hui, puisque je pense que je le vis, et c'est très cool. Je sais pas, après il n'y a pas les réseaux sociaux, donc peut-être que c'était mieux sans les réseaux. Lucie en maman. L'avantage de maman, c'est qu'elle est multicasquette, alors que Lucie répétitrice, si on dit qu'elle est que répétitrice, elle fera que répétitrice, je la connais bien. Oh, c'est si compliqué. Je vais me dire la tournée de la Starac, parce qu'on a fait on a vécu un truc de dingue, mais je retrouve beaucoup de gens que j'ai vu sur la tournée de Starac à la tournée Je vais t'aimer, et ça c'est très très cool. Clairement sur Instagram, genre. Faut que je me mette à TikTok parce que ça marche beaucoup plus avec les plus jeunes que moi, et c'est horrible de dire ça parce qu'on dirait que j'ai 50 ans. On se retrouve très vite sur la tournée de Je vais t'aimer ou sur les réseaux pour suivre mon actu ou celle de la troupe. À bientôt!